En Aïkido, il existe un certain nombre de saisies arrière qui se regroupent sur le terme Ushiro-waza. On peut bien sûr se poser la question de l'intérêt de cette forme de pratique. À première vue, on peut observer dans Ushiro-waza des contraintes qu'Uke installe sur l'arrière de Tori. Ce dernier doit apprendre à les gérer. Une deuxième lecture d'Ushiro-waza nous indique que l'attaque arrière peut également être induite par Tori. Ce dernier ne laisse pas le choix de l'attaque à Uke, mais le fixe sur son arrière à sa guise. Cela devient possible en utilisant les angles et les axes adéquats et en gérant correctement le Dehai et le Mawai. Là, vous voyez, ça bouge plus. Personnellement, je trouve ce dernier aspect de l'Ushiro-waza très intéressant car il nous responsabilise et nous enseigne comment rester maître des événements.